Choucrouloute, on est avec Nono. Avec Macaron pour tester la nouvelle mise à jour. Alors en fait, ce qu'ils ont fait dans cette mise à jour, je sais que d'habitude on ne teste pas les mises à jour de Sims, mais bon, ce qu'ils ont fait dans cette mise à jour, c'est que ils ont totalement enlevé le genre. C'est-à-dire que... Enfin, il est toujours là, mais on peut faire un genre personnalisé, quoi. Voilà, on fait ce qu'on veut. Alors là, par exemple, on a un garçon de prime abord, et voilà. Modifier donc s'il a une ossature masculine, féminine, comment il préfère s'habiller, s'il peut tomber enceinte ou non. Aucun des deux même, on peut... Allez, bim! Allez, tu peux rien faire. C'est cruel. Possibilité d'utiliser les toilettes debout, what? Ça serait énorme. Voilà, donc il y a tout ça. Je découvre avec toi, Nono. Mais c'est génial, franchement. Alors, oui. Bravo, Ye Games. Donc là, on a mis qu'il préférait... Et Maxis. On a mis qu'il préférait... Donc, c'était cette genre masculine. Là, en gros, c'est un garçon type. Attends, on peut mettre que c'est un garçon et le faire tomber enceinte. C'est énorme. Bah, en gros, ossature, c'est né garçon ou né fille. Ossature. Ouais, je pense bien. Oh, mon Dieu. Un peu bizarre là, hein. Bon, c'est pas grave. Admettons. Du ouais, coup. C'est pas seulement l'ossature en fait, c'est aussi les muscles. Ouais, je pense bien, ouais. La graisse, tout ça. Un nono. Ouais, c'est ça. Du coup, on va dire que si il préfère le style vestimentaire féminin, ça veut dire que ses fringues, on aura les filles. Et ouais. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Alors, je crois que j'ai pris le pire exemple. Pourquoi pas, hein? Alors, ça fait rire, mais par contre, c'est vrai que c'est vraiment génial. Oui. Et pas là pour se moquer, mais on est contente. Oui. C'est rigolo, ça lui fait des petits. Micro-pips. Mais c'est des pecs, mais c'est bizarre, le t-shirt lui fait des seins en fait, c'est trop. Non, mais franchement, c'est trop cool. Et du coup, ce qu'ils ont fait, Là, c'est oui, ils sont que. géniales. Il y avait trois types de voix pour chaque sexe et du coup on peut choisir celle qu'on veut faire une fille très petite. Ah, ils ont agrandi le truc, c'est trop bien, c'est trop Ouais. bien. Du coup attends, on va faire un truc genre une fille bien fille avec une voix méga grave. Méga grave, ouais, j'ai pas le son du jeu mais bon, c'est pas grave. Bon là elle ressemble à rien mais ce sera modifiable et les démarches, oui, ça on pouvait. Non, franchement, c'est trop cool. Et les enfants, on peut aussi? Changer de Alors, on va fille. voir ça. Ouais. Non, on peut pas. À mon avis, c'est à l'ado que ça se définit. Ah, mais du coup, ça va faire comment quand ils vont grandir? On va Bah, il faut pouvoir... essayer. Il faut essayer. Et mes chats se battent. Mais ça va pas. Ruru fait son bordel, c'est génial. Du coup, ça veut dire qu'on pourra sûrement choisir ça à l'adolescence. Ah, cool. C'est trop cool. Franchement, ils ont vraiment bien géré. J'avoue. En plus, j'avais fait une tranche genre. Alors pour le moment, non, franchement, c'est trop bien. Donc, merci. Voilà. Le seul petit truc qui manque maintenant pour faire la relou, c'est modifier la taille des Sims. Voilà, après ce sera parfait, mais c'est déjà énorme. Après ça, on touche plus, c'est bon. Ah, c'est bon. Ils ont fait une Sims en plus sur leur vidéo, qui est juste magnifique. Elle a les cheveux courts, s'habille comme un gars. Enfin, du coup, je sais pas si je dois dire elle ou il, je sais pas trop, mais en tout cas, elle est trop belle. Il est trop belle. Voilà. Il y avait des prenoms multijoueurs, mais je les ai oubliés. En français en plus, hein. Je crois que c'est Ellie ou Illy. De quoi? Des prénoms multijoueurs, enfin, sans genre. Ah, des prénoms mixtes. Ouais, c'est Ah ça. non, des pronoms. C'est Yel, Pronoms, je oui. crois.
Je crois que c'est Ellie ou Ellie, un truc Oui, du genre. il y avait Yel, IEL. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça, c'est Yel. C'est Yel. Et bon, comme c'est pas encore bien implanté, on va dire il est belle. Voilà. C'est magnifique. Bon, en tout cas, nous on trouve ça cool. Ça nous affecte, cette chose-là. Et donc, j'espère que ça vous plaît aussi. Attends, on va allumer. De pirate. Ouais, de pirate. Ah Voilà, non, de c'est haute tag, magnifique. de Non, c'est haute un tag. ninja, d'accord. Oui, mais le hot dog, c'est unisexe. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Un costard. On va lui mettre un beau costard. Oh yes, Voilà. ah ça c'est classe, ça c'est classe. La classe. Et franchement, c'est. Je vais juste voir un truc. Enfin, je verrai ça tout à l'heure. Je ne sais pas s'ils ont rajouté les ombres super belles ou si c'est ce sera dans le pack resto qui sort bientôt. D'ailleurs, si tu fais des prénoms pif, est-ce que ça... Alors là, c'est les prénoms de filles parce que je l'ai Okay. choisi ossature féminine. Attends, si on met ossature masculine, ça va mettre des prénoms. Non, Hélène, Clémence. Alors, ça doit être. Ça doit être en fonction du truc de base, en fait. Enfin, si tu mets Ah fille ou oui, garçon. ouais, ça doit être. Au pire, ça nous empêchera pas de l'appeler Robert, hein. Ah, père. Roger. Il s'appelle juste Robert, il n'a pas de nom de famille. Et Robert est une femme qui pourra et qui pourra mettre les autres Sims enceintes. Voilà, c'est pas du tout logique. C'est un transom du futur. La transe du futur, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est cool. On espère que cette mise à jour vous plaît aussi. Nous, ça nous enjaille très fort. Yes! Yes! Yes. Motherfuck yes! On vous fait des bisous et salut! Fruit.